Eh bien salut à tous et à toutes, c'est PsyTrag et aujourd'hui les amis on se retrouve dans l'épisode numéro 3 et final de comment bien débuter sur Frag en français. Je remercie encore Mick de m'avoir accordé un peu de temps assez tardivement j'ai envie de vous dire pour enregistrer cette vidéo. J'espère que cette dernière partie va vous plaire. Et puis là en ce moment je cogite sur quelle vidéo faire après, soit du gameplay, soit de la théorie, soit de la stratégie, soit tout ce que tu veux, voilà. Sur ce mon pote, je te souhaite un bon visionnage, encore merci à toi Mick, merci à toutes les personnes qui sont présentes, et merci à la communauté de Frag, du Discord, de l'équipe Obibi, Obibi, non, voilà. Voilà, ça c'est les amis, bon visionnage, merci à vous, n'hésitez pas, je pouce bleu. Je veux toujours saisir. Bon, aujourd'hui, avoir un clan, c'est plutôt intéressant. C'est intéressant, c'est obligatoire. Même dans les premières missions que t'as dans le jeu, tu dois rentrer dans un clan. Et c'est super intéressant, rien que pour le côté donation. Ensuite, tu peux donner des cartes et tu gagnes un peu de gold en échange. Ce système-là est pas mal. Puis après, ouais, si t'es dans un club avec des gens actifs, le fait de pouvoir discuter stratégie, le fait de pouvoir vous entraîner ensemble, en duel, c'est pas mal. Et j'avais une question, à quoi sert l'onglet s'abonner? Abonner à quelqu'un, en fait, tu vas voir ce qu'elle publie dans ta fanbase. Donc, quand tu vas cliquer sur fanbase, tu vas voir tout ce qu'elle a mis, donc les messages qu'elle a envoyés, les coffres qu'elle a partagés, et trucs comme ça. Puis après, ça fait aussi partie des missions que tu as. Tu dois donner ton avis sur deux cartes. Donc, c'est vrai que régulièrement, tu as des joueurs qui donnent leur avis sur les cartes, que ça soit pour une mission ou juste comme ça parce qu'ils ont envie. Bon, du coup, on a fait un peu le tour, hein, parce que le profil personnel, à part les stats, c'est pour soi-même. Il y a un truc après, qui est assez intéressant. Vas-y, hein, si t'es au courant. Vas-y. Du coup, j'ai fait découvrir ça cet après-midi à des personnes que les séries de victoires étaient très importantes. C'est-à-dire que si vous faites deux victoires, je vous mettrai le screen. Je vais faire un screen maintenant, je vous mettrai le screen. Si vous faites deux séries de victoires, vous allez avoir plus de 5%. Mais 5% de quoi déjà? Ça, par contre, ça, je sais pas. Alors, des pourcentages sur quoi? C'est ce pourcentage d'expérience que vous gagnez. L'expérience, ça permet de monter le pass de combat. Vous dites, ah, mais en fait, j'ai eu suffisamment d'expérience pour arriver au bout du pass de combat. Donc ça serait peut-être bien que je l'achète. Tout ce que vous avez débloqué avant, vous le gagnez. Et un autre truc qui est important aussi, quand tu vas dans l'historique de battle, de match, je sais plus, là j'ai le jeu en anglais, donc je ne sais plus comment c'est. Et que historique, oui, de bataille. Historique de bataille, et que donc tu cliques sur, mettons, ton dernier match, tu vas voir pas mal d'infos assez intéressantes. Donc là, tu arrives tout de suite sur les unités. Tu vois dans ton équipe qui a fait des dégâts ou pas. Donc t'as le nombre d'adversaires tués, le nombre de fois où l'unité est morte, c'est combien t'as fait perdre de vie au total des points de vie de l'adversaire. Et c'est là comme ça que tu sais que mettons là si je regarde mon dernier match, j'ai Jet qui a fait 326, donc c'est elle qui a été la plus utile et pour faire descendre les PV de l'adversaire. Et donc tu sais, tel personnage a été plutôt utile, tel personnage a pas été ouf, ce personnage là je l'ai laissé à l'intelligence artificielle et il n'a pas été terrible, donc est-ce qu'il faut que je le reprenne ou est-ce qu'il faut que je le change. Ça t'aide à savoir un peu tout ça. Donc ça peut être important au final d'aller voir l'historique et de voir quelle carte a été le moins utile, mais ok. Bon, on a fait un peu le tour, hein. Le shop, il n'y en a pas besoin. Écoutez, ça c'est votre guise. Les decks, un seul deck, ça suffit simplement. Le clan, si vous en avez un ou pas, il y a le mien qui est disponible. Dans le profil, vous avez les statistiques qui sont pas utiles, mais dans l'historique de bataille, qui peut être important pour votre stratégie. Et puis après, les cartes, c'est à votre guise et votre style de jeu. On sait tous qu'en France, il n'y a aucune vidéo dessus, malgré que c'est vrai que le développeur est obligé de parler en anglais sur ses vidéos, et si beaucoup sont comprennent, ne parlent pas anglais, ne comprennent pas l'anglais, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura suffi. Il y aura d'autres vidéos qui vont arriver en rapport avec certaines cartes que moi je préfère, donc voilà, et peut-être que d'autres personnes pourront m'aider pour d'autres cartes, peut-être Mick pourra m'aider pour d'autres cartes, ou voilà, ça peut être sympa à faire ça aussi. Et puis voilà, puis je pense que je vais essayer de les défier. J'aimerais bien défier Mike, hein, défier un combat amical, ça peut être sympa, hein. Enfin, ok, bon voilà. Écoutez les amis, ça a été un plaisir, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, un commentaire, et puis à partager aux personnes qui jouent à Frag et qui ne connaissent pas Frag ou qui connaissent Frag. Un petit mot pour la fin, Mike. Amusez-vous sur Frag, et défoncez tout le monde. Et rejoignez les Neuraptors surtout. Voilà, sur ce les amis, passez une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée. Je sais pas pourquoi je dis ça.